Yahoo Bidi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation sur la chaîne. Donc comme tu as dû voir ma précédente vidéo ouverture de colis Candy Sun, j'ai donc fait une commande spéciale Umaibo. Donc les Umaibo, ce sont des gâteaux apéro que l'on retrouve principalement sur le site de Candy Sun, c'est là où je les ai achetés. À savoir que un Umaibo coûte 12 ou 13 centimes, 11, 12, 13 centimes. Ça dépend le parfum que tu prends. Il y en a où il y a une petite différence de prix, mais tu n'iras pas plus loin que 14 centimes. En tout cas, pas au jour où je filme. À savoir, en ce qui concerne donc là les Umaibo, il m'en manque un ou deux par rapport au site. Tout simplement parce qu'ils étaient en rupture de stock quand j'ai fait ma commande et que j'ai fait ma commande pour avoir certains gâchapons en particulier. Donc je ne pouvais pas me permettre d'attendre un jour de plus pour voir s'ils allaient être ou pas à nouveau en stock, sachant que à chaque fois que j'ai commandé personnellement, il en manquait toujours un ou deux. Donc voilà la quantité, sachant que là donc tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 Umaibo à tester, je crois qu'au total il y en a 15, sachant aussi qu'il y a une espèce de gâteau de la même mascotte et tout ça au chocolat. Voilà, et que tu peux même acheter carrément des packs en, comme des coffrets en fait, avec des Umaibo, une dizaine, un truc comme ça. Et Candy Sun propose vraiment pas mal de choses. Si jamais tu n'as jamais commandé sur Candy Sun et que tu veux t'y mettre, je t'affiche ici un code promo pour avoir moins 5% dès ta première commande. Et c'est des moins 5% que tu peux avoir à vie tant que tu ne changes pas le code ou tu ne changes pas de compte. Voilà. Donc on va attaquer, j'ai le site Candy Sun sur mon téléphone pour savoir à chaque fois quel parfum ça a, parce que j'ai oublié de te préciser que tu as des parfums complètement différents. Tu peux avoir à la crevette, teriyaki, biscotte. En ce qui concerne la vidéo dégustation, ce qu'on va faire c'est tout simplement que je me suis donc connectée sur le site de Candy Sun et que je vais les faire dans l'ordre qui sont présentés donc sur le site. Voilà, je te montre, je suis sur le site. Tac. Donc on va commencer avec le teriyaki burger, donc on peut le reconnaître tout simplement avec son petit hamburger ici et ici. Et il y a toujours la mascotte sur tous les emballages. Donc c'est parti, en fait ça ressemble très clairement à un curly mais en format grand, voilà. Hop, je vais pas tout sortir de toute façon, je vais pas le manger en entier aujourd'hui. Déjà au niveau de l'odeur elle est très 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 agréable. Alors au cas où, pour ceux que ça dérangerait les bruits qu'on mange, je ne peux pas faire trop, à chaque fois je baisse toujours un petit peu, mais sache que voilà, regarde, ah, l'objectif il a une distance de bras, donc forcément le son est à une distance de bras, voilà. J'avais oublié à quel point c'était bon, surtout le teriyaki burger. Donc pour ceux au cas où qui ne connaissent pas ma chaîne depuis très longtemps, il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo dégustation de Umaibo, mais à date il y a très longtemps, donc je ne me rappelle plus du tout de ce que je pensais des produits, et que la vidéo ne mérite plus du tout d'être visionnée, voilà. Donc en tout cas, le teriyaki burger, je le surkiffe. Ensuite, le takoyaki avec le poulpe. Donc le takoyaki avec le poulpe. Ce qui est l'avantage, c'est que vu la photo qu'il y a sur le site, on peut très facilement les retrouver, donc ça c'est génial. Donc celui-ci par contre tu vois il a une couleur bien plus foncée que le précédent. Je vais essayer de te montrer ça. Voilà, tu vois il y a quand même une nette différence au niveau des couleurs. Ah, j'avais adoré celui-là il me semble. Donc voilà, on peut voir même comme des l'espèce d'herbe qu'il y a dessus sur les vrais. Et j'ai déjà mangé des takoyaki, il y a l'herbe, hein, on la retrouve donc c'est génial. C'est juste trop bon. Je vais essayer de te mettre un ordre de préférence. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Celui-ci va quand même avant le teriyaki burger. Mais il n'y a pas grand-chose pris. Si on suit l'ordre du site, le suivant c'est donc le soupe de maïs. Et apparemment c'était l'un des Umaibo qui était donc en rupture de stock. Ensuite on continue avec le fromage qui est celui-ci avec ses petits tournesols de dessiné. Voilà. Et après il y a les notes de musique aussi qui permettent de le reconnaître. Donc tu vois celui-ci il a plus un ton orangé. Alors, par contre ce truc c'est qu'il précise pas en fait quel fromage.
Lui, il a plus un goût en fait de quelque chose qu'on a chez nous. Je pense que ça ressemble d'ailleurs au curly, parce que je crois qu'il y en a au fromage. Donc ça, c'est vraiment assez proche du vrai curly. Je l'aime bien, mais c'est plutôt une déception par rapport aux deux autres. Enfin, une déception, ouais, c'est pas celui que je vais préférer du tout dans cette vidéo, ça c'est clair. Poulet au curry. Celui-ci est très facile à reconnaître. Parce qu'il y a son petit poulet là qui est trop mignon dessus. Donc lui, tu vois, il est plus jeune parce que justement le curry. Et ça sent vraiment le curry. Donc c'est ça qui est génial. Alors celui-là, il dépote. Celui-ci, il est vraiment très très bon. Il sent vraiment le curry, ni trop ni pas assez, donc ça c'est génial. C'est pour ceux qui pourraient être pas aimer ça, mais pas à haute dose. Franchement, le dosage de curry est parfait au niveau du goût. Ensuite, on va avoir celui au natto, qui est celui-ci avec le petit bonhomme. Il y a toujours la mascotte qui est là. Peut-être boire un petit coup quand même, parce que celui au curry, il est fort. Bon, celui-ci, par contre, je crois que la dernière fois, je ne l'avais jamais testé. Donc celui-ci, je sais pas si on le verra très très bien, mais il y a aussi quelques petites herbes. Mais c'est natto. Ah, j'aime pas du tout. Ah, je déteste. Donc celui-ci, non, moi personnellement, je n'aime absolument pas. Donc ça va être le flop de la vidéo, donc je vais le mettre de côté. On va continuer donc avec le langue de bœuf. Là, on voit très bien le petit bœuf en plus qui nous tire la langue. Alors, il faut savoir que je mange de la viande. Ouais, je mange de la viande. Sauf que la langue de bœuf, je peux pas. J'ai jamais goûté, honnêtement. Je trouve peut-être que j'ai goûté. Mais c'est plus en fait l'idée que ça soit qui me bloque. Très clairement. Celui-ci, il y a des petites taches noires, c'est trop mignon. L'odeur, ça va. Je pense que comme tu l'auras compris, le langue de bœuf, ce n'est absolument pas du tout passé avec moi. L'odeur et le goût est très très fort et je n'ai absolument pas du tout aimé le goût. C'était juste horrible. Ensuite, on a crevette mayonnaise que je possède, qui est celui-ci. Et cette petite crevette toute cute. Voilà. Voilà. Ensuite, si finalement ça va, il va dans ceux que j'aime bien mais sans plus. En ce qui concerne le deuxième qui était hors stock quand j'ai fait ma commande, c'est le salade de fruits qui est donc avec un packaging vert et je ne l'ai pas. Ensuite, on a le bleu avec la sauce tonkatsu que j'ai là. J'ai pas avalé. En fait, la partie marron, c'est la sauce, vraiment. Ah, c'est fort. C'est épicé. Mais ça va, il me reste assez de boisson. Bon en soi, mais c'est fort, ça arrache. Donc il nous en reste encore 5 à tester, donc on va essayer de faire assez vite quand même. On a le suivant qui est salami. Ok, c'est celui-ci au salami. Ça me fait rire qu'ils aient ça. Ah, celui-là aussi il se retrouve avec des petites herbes. Je sais pas du tout si on verra. Je vais pas aller plus loin parce que vu comme ça foire les autres. Ah.
pas le goût d'un salami. Ou alors je sais même plus ce que c'est qu'un salami. Au choix. Il va dans mes flops. Il va dans mes flops. Ensuite, on a le biscotte, qui est celui-ci. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'on a un petit peu comme le drapeau français des Mitsu. Ah, ils sont vraiment la biscotte, mais la bonne biscotte. J'aime pas ça, moi, les biscottes. Donc il me reste ces deux-là à tester, plus celui donc avec les brochettes. Donc ces deux-là, je n'ai pas du tout le nom, vu qu'ils sont pas sur le site. Bah, là, on voit en fait les petits poissons qui représentent normalement la journée de l'enfant, qu'on a pour les journées de l'enfant. Et là, on voit un espèce de fou qui fait une expérience chimique. Donc ça me fait vachement envie, celui-là, mais bon. Il veut même pas s'ouvrir, d'après que... Et orange. Je sais même pas ce que je vais avaler. Oh bah merde, il est bon. Ah bah dur. Ah. Avant-dernier, donc le orange avec les fameux petits poissons et la bestiole en samouraï. Pas spécialement d'odeur et vachement transparent pastel. Et peut-être au poisson. Je ne sais pas du tout. Je vais en reprendre un bout parce que j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Il est pas mal, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le pire. C'est un bof. Voilà, tu le manges, mais c'est pas celui que je vais racheter en tout cas. On va donc terminer avec le dernier qui était disponible donc sur le site, qui est donc le yakitori. Qui sont donc des brochettes. Ça, normalement, ça devrait le faire. Donc le voici, on voit la petite brochette ici. Ce qui est... Non, c'est marqué, d'accord. Ah, si. Si on sait lire le Jap, en fait, ici, il y a le parfum, je pense, de noter. Comme moi, j'ai pas encore appris les... un bol. Il est un petit peu tacheté comme l'autre, mais moins que l'autre. Je sais même pas si j'arrive pas à dire en fait si j'aime l'odeur. Ça promet. Ça peut passer, il va pas en flop, mais quand même. Comme je suis sympa, je vais quand même te faire vite fait un petit récap donc de l'ensemble. Comme ça te permet directement, si tu as déjà vu la vidéo, de skipper et d'aller jusqu'à la fin pour savoir le récap. Donc on va voir sauce tonkatsu. Ici on a la langue de bœuf, on a la biscotte et le salami que je n'ai pas du tout aimé. Ça a été carrément des gros flops. Dans ceux que j'ai bien aimé mais sans plus, on va avoir donc le natto, le fromage, le yakitori et la crevette mayonnaise. Donc je t'ai présenté les flops et je t'ai présenté les bofs. Entre les bofs et les coups de cœur, il y en a un, donc c'était celui avec les petits poissons. En méga coup de cœur, donc oui, il n'y a vraiment pas vraiment d'autre deux. Il y a le poulet au curry que j'ai carrément déglingué en descendant pour aller me chercher de l'eau parce qu'il fallait que je change de goût. On a donc celui avec l'espèce de fou de dessiner dessus. Le takoyaki. Et le premier, le teriyaki burger. Voilà.
La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter, pourquoi pas partager la vidéo. Je te mets ici la dernière vidéo dégustation que j'ai postée sur la chaîne et ici la playlist dégustation. Je te mets bien entendu ma petite tête de panda si tu veux t'abonner à ma chaîne. Et je vais carrément mettre aussi la chaîne du gérant de Candy-san qui a une chaîne YouTube qui parle du Japon. Donc si jamais tu ne la connaissais pas encore, je t'invite tout simplement à aller la voir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à me dire toi quels sont les Umaibo que tu as déjà testés et ce que tu en as pensé, quels sont tes goûts préférés. Et n'hésite pas non plus si sur le site il y a des trucs en particulier que tu voudrais que je teste, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos dégustation. Sur ce, à bientôt.